Nous sommes sur la terre d'une des plus anciennes civilisations de la planète. Pourtant ici, tout a changé du jour au lendemain. Une population de bergers nomades, de pêcheurs et de paysans ont vu leur vie se métamorphoser en une génération. Notre expédition nous emmène au Sultanat d'Oman. Un pays qui, comme beaucoup, a connu une évolution rapide de son mode de vie. Pourtant, il semblerait encore exister au sud de la péninsule, un peuple qui perpétue ses traditions dans un monde où tout change très vite. C'est fou, c'est incroyable. Les léopards d'Arabie sont très très rares. Ça fait une heure qu'on marche, on est arrivé en bas du wadi. Il vient de me dire que quand ils sont venus là la dernière fois, ils ont vu une meute de loups. Rien que ça. Si on a de la chance, on verrait le chef de la tribu qui est là dans le wadi. Et là, ils viennent de le saluer, donc ça veut dire qu'on va rencontrer le patriarche. Il a dit, il n'y a pas de souci, mais par contre, ils ne peuvent pas venir avec les caméras. Ok. They don't want to be filmed. Is that a reason? Private. See, I'll tell you why. I can't talk about it now. Ok. On a connu mieux comme début de tournage. Heureusement, on est accompagné de nos intermédiaires Nour et Wissal. On compte sur elles pour nous aider à briser la glace. On a rendez-vous avec ce jeune berger nomade, Khaled. Lui et son clan peuplent ces plateaux, et plus particulièrement un wadi, une vallée luxuriante entre deux montagnes. Le clan des Tabouk accompagne chaque année pendant la mousson leur troupeau de 4000 dromadaires. Ils parlent le djebeli, leur propre langue, et survivent dans un environnement sauvage. Ils nous ont invités à boire le thé. Probablement on va s'enfoncer plus loin dans le wadi, mais déjà on a la bénédiction du doyen. Et ça, à mon avis, c'est primordial pour aller plus loin dans ce projet de film documentaire. Qu'ils arrêtent pas de dire qu'on est lent, et qu'ils arrêtent pas de dire « Allez, on y va !» هذا الكهف قديما يكون فيه لبل اصحاب لبل اذا كانت امطار ولا كانت اي شيء وبعدين هو قبل ما كان كذا بس الشباب يعني رتبوه حس يعني بسعاده وارتاح نفسانيا لانه جدادي قد عاشوا هنا وقد كانت قصص كثيره قد خبرونا على بس ماشي يحضرني الحين بس قد كانت قصص كثيره هنا في هذه الاماكن بالوادي كله مش الكهف وادي كامل بشكل عام. C'est incroyable de savoir que des personnes vivaient dans ces caves il n'y a pas encore si longtemps. C'était une bonne marche aujourd'hui, la nuit en train de tomber. On va descendre, faire un campement, on va passer la nuit avec les gars. Je crois qu'on est vraiment en train de réaliser ce que ça signifie, un peuple guerrier. On sent qu'il y a des trucs qu'on comprend pas et il y a des trucs un peu stressants, on comprend pas tout. On se réveille, franchement, j'ai l'impression d'être ailleurs. Ce paysage, il est incroyable, j'aurais jamais imaginé voir ça ici. C'est des bruits pour appeler le dromadaire. Il y a un dromadaire qui est là-bas sur la route. Il s'est perdu.
Et du coup, il l'appelle. Là, un, deux. Le Dofar, Dofar, Zafar, Zoufar, autant de noms pour décrire cette chaîne de montagnes de 300 km de long et 70 km de large, à cheval entre Oman et le Yémen. Il y a eu la guerre ici. Et c'est une guerre qui est quand même assez récente, c'est une guerre qui a 50 ans. En 1962, tandis que les Djebalis observent le reste du pays se transformer, avoir accès aux soins, aux revenus du pétrole et aux avancées techniques, la région reste en marge. Tant et si bien que dans ces montagnes du bout du monde, une révolution est en marche. Les habitants prennent les armes, reprennent le contrôle de leur terre natale et créent leur propre système politique, leur propre école, leur propre loi. S'ensuit une guerre glaçante, où des bergers affronteront une armée du sultan, la Royal Air Force et des mercenaires venus des quatre coins du Moyen-Orient. Leur réputation n'est plus à faire. Ces bergers sont de redoutables guerriers. Et ils connaissent ces montagnes par cœur. 14 ans plus tard, un traité de paix est signé. Et le Dofar accepte de se rendre sous certaines conditions. En échange d'une aide sociale et d'un soutien du gouvernement. Voici ce qu'on sait des montagnards. Les articles, les films de guerre, les archives des Britanniques inondent Internet. Mais on ne peut pas se résoudre à considérer la culture Djebeli comme une culture de guerre. Et on a terriblement envie de découvrir ce qui se cache derrière cette image de rebelle. L'introduction avec le peuple Dofari est plutôt une réussite, je crois. Plutôt faite. Local rules, families rules. Government, we cannot go inside. Maybe if the judge or some like court, they give another people something, another family, maybe ask for another thing. Maybe they will come attack to the police. Or some another big problem it will come. C'est vraiment fou d'imaginer qu'ils sont en train de reconstruire une route qui, pendant la mousson, va accueillir entre 2000 et 4000 dromadaires du clan. Et ils sont en train de faire tout ça pour éviter que les dromadaires se blessent et qu'ils puissent aller jusqu'à la mer sans qu'il y ait de soucis. شغالها قبل بضيع دخان. أيوة. شغال في الجيش سلطان عماني. وظيفة اليومية أروح مع الليبل. أنا ساكني في المدينة ونطلع الجبل العصر أحلب الليبل وعات الليبل والصباح بعض مرات أطلع. أنا نقوم الصباح بعد الفجر نصلي الصلاة الفجر بعد أروح ندخل عند الليبل نحلب على الساعة 5:45 نخلص نسوي شاي نتريق بعدين نشيل أولادنا الطلاب اللي بيروح المدارس اللي بيروح الدوام بعدين نرجع لليبل نفك عليهن. ونرعيهن المكان اللي بنرعيه كنا قد اتفقنا امس مع الوالد مع عمي مع احد المكان بنتجه ليه الصباح بنروح حتى العصر على الساعه 5:30 نرجع عند اللب ما استغلينا بصراحه بشيء ما استغلينا لان احنا شليناهن من ورث اجدادنا ابوي وجدي وجد جدي يعني ما جس فايده الا كان اذا جات جود عزوج هنقول بالجبال عزوج نذبحوا بعزنا والناقه تحمل بعزنا يعني فايدهن حليبهن إذا كان في السنة بعنا أولادها لكن محبة وعز نعز مثل أولادنا ومثل نفوسنا يعني ما نقدر نتخلي عنها اه دي هو بده شوي هو ما هو نبي شوي Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce que les dromadaires soient si affectueux. Elle pose sa tête sur mon épaule, elle reste là, elle demande des petites caresses. Allez, à plus tard mes mères. Not exactly.
Boire du thé. Ça vient de s'arrêter, mais voilà, on a très très clairement entendu et très très pas loin des loups. Pendant ces jours passés à leur côté, 2 mois de tournage s'écoulent. Chaque jour, on en apprend un peu plus sur leur wadi. Je pense que les loups, ils étaient là cette nuit. Leur longue marche au rythme des dromadaires. Et leur cohabitation perpétuelle avec les animaux sauvages. C'est fou le silence que t'as ici. On dort là ce soir ? Quand je suis allée me promener là-bas toute seule, j'ai entendu une sorte de miaulement slash rugissement. Dans la culture d'Ofarie, des fois, les chameaux étaient comme des enfants en fait, étaient même plus importants que des humains. Donc voilà. Donc en fait, on est dans la vie des Ofarie, mais en même temps, on est dans la vie des chameaux. Sit down. Dans les caresses. Réveil très tôt pour aller traire les chameaux, paître les chameaux, voir les chameaux. J'arrête pas de dire chameaux alors que c'est des dromadaires. Non, voice is good. We heard and sing is good. Do you sing also? Ici au Sultanat d'Oman, tous les hommes portent la même tenue. Ça s'appelle une dij dasha. Mais depuis qu'on est avec les gars de la tribu Tabouk, on les a jamais vus porter ce vêtement une seule fois. بس انا متمسك على عادتهم القديمه وفي بعض الشباب نفس الشيء مسكين بعض الشيوخ نفس الشيء ما يحلقوا شعرهم على العاده القديمه. On vient de sortir du wadi après 15 km, un peu chaos, et là on va rencontrer l'aîné. Ça fait plusieurs semaines, dois-je dire, qu'on négocie pour pouvoir discuter avec cette personne parce qu'elle accepte pas toujours les invités. You're entering the ship with the men. Don't enter with a camera. Don't disclose their bantas. S'apprête à goûter du lait de dromadaire. C'est doux. Bon, on va éteindre la caméra, je pense, pour ce soir. Et on va reprendre demain matin. On mange du riz avec des légumes, du lait de chameau, et à côté, ils mangent de la viande de chameau. Homak! Homak!
السلام عليكم. عليكم السلام. خير. بدون سبيتك في وادي. في وادي عربات. اسمي احمد مها احمد مهاد مهرس سبوك. تعرف قارون حيرته؟ هذا مركز زمالنا. مدر زمالنا. ما وادي عربات حتى قارون حيرته. وإلى ذا المكان. أنا مسؤول ملبوش. تعرف ماما؟ زي ماما. مدر. دنيال خرب على البجلبي من حاسك تنصرفت من حاسك تصرفت الخرب على البجلبي اي وقت تريد تجي حياكم الله فوق الراس مكان انا صديق ما في خوف. Dans les paroles du doyen du clan Tabouk, nous retrouvons la nostalgie d'une histoire passée, celle où sa famille vivait unie dans les wadis et celle où les lampadaires de la ville n'éclairaient pas encore ses dromadaires la nuit. Ce berger est le dernier d'une génération, celle qui a connu le bousculement rapide du pays, celle qui a combattu pour son indépendance et celle qui vit encore en dehors des infrastructures urbaines. Aujourd'hui, il est l'un des derniers à vivre à l'année un mode de vie entièrement nomade. هذا طبيعة مال الولية مال قدود الولي من قابل تامور وسعيد من تامور والولين سبيقة والخنجر خنجر هذا جنبية لا تبقى زلات سيا مدر البر هذا سيسال مداك زمنه سيف سيف نعمل دلالي سيف راك فرقة شرق تتلعب كيندي قلاته زعب Entre l'aîné des Tabouk et Khaled, nous retrouvons un symbole, celui de deux hommes de la même famille, avec les mêmes traditions, que pourtant aujourd'hui tout semble opposé. Mais dans le regard de son grand-oncle, nous sentons une fierté face à Khaled. Ce qui rassemble les Djebeli toutes générations confondues, c'est l'amour de la terre et de leurs troupeaux. Nous retrouvons la même passion lorsqu'ils parlent de leur dromadaire ou de leur wadi. Tant et si bien que le choc générationnel semble doucement s'effacer, et les fantômes de la guerre paraissent lentement s'apaiser. هذا عارف هذا أخبر الولين شوبة من هذا البلاد ما يجي من مكان من هذا البلاد من هذا البلاد من جدة التبوجة وكما دولة حكومة توصل بتروح كم دولة تجي بتروح بعدين الحين بالتامور من تامور باقي سعيد التامور باقي المرهوم قابوس وهذا نحن وهذا طفار كانت من أول من زمان مش جديد مش جديد. J'ai énormément de gratitude ce matin d'être ici. C'est magique avec le lever de soleil, avec les dromadaires, de pouvoir expérimenter ce que c'est vraiment la vie d'un dofari au quotidien. Ça dépote, hein, franchement, les chameaux. C'est évident, hein, mais ils ont des très grandes jambes et du coup, ils marchent très vite. Et la vache, il faut suivre. On surplombe le wadi, c'est magnifique. Le rythme, il est hyper soutenu. Les gars, ils marchent trop vite. Ça se voit que c'est vraiment des nomades qui ont l'habitude de faire des grandes distances à pied. Et je suis très très fière qu'on ait réussi à devenir amis avec eux et à réussir à
à partager leur quotidien, à partager tous ces moments ensemble, à essayer de comprendre un peu plus leur culture. Je suis trop contente, je suis vraiment heureuse. السبب عنده تزنيتين باش خري بتليت انا زي العادات اللي جيلو هنا خليك كعم غيشي مرج من داغني سبب مسكم هي بس اللي بيطلع عدد عطت مي جيلو هنا بير عم تون لك لغبطة لا مرج جي يلا لكن بس وقت الغرق كيف فيه جيل الجيل دي يختلف يودي يتطور دي زوج تطور لكن هذا عطت ليت خي كم شخص ايه اقل ما كان قريبا لكن نحن يتطور دي تكن بو رقع ستصير بينو ما يخليك كامكش على عايش كلش الطفولة دي ما كامكش. On a découvert en ce jeune berger une force tranquille, une volonté imperturbable et une sagesse immémoriale. Il incarne l'âme de son clan, l'histoire de son peuple et la fierté d'être différent. Conscient des mouvements du monde, Khaled réconcilie modernité et ses traditions millénaires, balayant d'un revers de main les théories orientalistes. L'histoire de Khaled n'est qu'une histoire parmi tant d'autres, de jeunes autour du monde qui font un choix, conscient ou inconscient, d'incarner un art de vivre en déclin. Dire au revoir n'est jamais facile, mais nous partons heureux et le cœur plein de souvenirs. Pendant nos travaux dans différents pays, nous avons filmé impuissants des modes de vie millénaires condamnés à disparaître. Quand nous sommes pris d'un doute, quand l'espoir nous manque, désormais il nous suffit de regarder le soleil et d'imaginer que peu importe ce qui se passe dans le monde, Khaled marche. Sur la montagne au-dessus des nuages, la mémoire des tabous brillant à ses côtés. On espère que le film vous a plu. C'était un travail de longue haleine. Oui, ça c'est clair. 2 mois de tournage à peu près. Et là, on vient seulement de finir la post-production. Mais on est très content de pouvoir partager l'histoire de Khaled et du clan Tabouk en général. On va aussi en profiter pour remercier. On est presque 1000 sur la cagnotte participative. Et c'est grâce à vous, si on arrive à donner vie à des projets aussi fous que cette expédition Dofar et ce film avec les peuples du Dofar. On a tellement aimé les laïsous. Les laïsous, c'est ces tissus en coton qu'on porte ici beaucoup dans le Dofar. Et qui nous gardent au chaud les soirées dans le désert comme ça. Il y en a en quantité limitée sur la cagnotte participative. Si vous avez envie de nous soutenir, de soutenir ces projets de films documentaires et de soutenir l'artisanat local du Dofar et d'Oman, il ne faut pas hésiter à aller faire un tour sur notre cagnotte participative, ça nous fera super plaisir. On peut s'y retrouver pour des lives, pour les vidéos long format. Et c'est un chouette moment d'échange en général. C'est une manière pour nous de vous remercier, de nous soutenir et aussi de remercier les gens, la communauté dans laquelle on tourne nos films. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien et on vous dit à la semaine prochaine.